Bonjour Frère Maxime, comment nous est-ce? C'est GFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui entre la carrière moins de nous, merci. Merci pour confiance, nous, merci pour fidélité, nous, merci pour bouche à l'ouest que nous fait pour moi. Jodi à l'ambre préparer pour nous une petite pizza de patate. Mais patate là, l'ambre est en grage li. Moi j'ai 3 tasses de patate là. Ça c'est une tasse et demie de farine. Moi mettez une cuillère de beurre là-dedans. Qu'on a l'ambre à mélanger beurre avec farine là. Une fois que mélange cuillère de beurre là dans la farine, bien un quart de tasse d'eau, toujours pour une tasse et demie de farine. L'eau tiède, moi mettez dans la petite tasse. Deux petites cuillères de levure, pas pour de l'élévation là, levure. Mettez cuillère, mettez deux petites cuillères, embrassez-les. Une fois que moi bien brassé-les, moi déposez-les. La farine, je mélange là-dedans. Un quart de tasse, pas plus. Hein? Pour qu'il ne soit pas mettre un peu d'eau, normalement, vous êtes supposé mettre 3 quarts de tasse d'eau. Je mets seulement un quart parce que la patate là, lui-même, il sort des jus là-dedans. Quand on a là, mets les vieux là avec farine là. Ni avec patate là, 3 tasses de patate. Ça c'est un cuillère de sel, moi mettez la patate là. Une fois que je me dis l'huile la patate là, moi prends 3 tasses de patate là, moi mettez. On a là moi filmé 3 tasses de patate là dans une tasse et demi de farine qu'on a mélangé ensemble. Là c'est là tout poil rentré ensemble. Une fois que moi fin bien mélanger comme ça, moi viens avec mon serviette humide, moi me couvre le, moi quitte là pendant au moins 4 heures de temps pour me quitter les vieux là agir sous pâte là. Même venir avec pâte là après un 4 heures de temps. Meni, moi viens avec une tasse de farine. Moi prends une petite farine, moi passer mais pas dessus. Moi passer la même aussi. Dans là moi enlever, moi que qu'on est demi an, c'est lui même qui a fait. Bon, et moi mets un petit parsemé un petit farine ici là aussi. Et moi prends moitié pour moi faire. Fini avec moule, même fini avec moule pizza ça là. Moi prends pâte. Moi moule là moi mets un petit beurre là-dedans, moi fariner. Moi fini avec pâte là, moi prends élargir pour me faire un plateau. Sept grands supporters de GFL Cuisine Créole qui abonnés sur chaîne par mois, c'est Dunat Paul, Colette Legros, Marie MC, Marie Matsuli, Teddy Clément et Wana 44. Qu'on a là, moi mettez fou à. Qu'on a là, moi je vais faire un petit tour là-dedans pour m'éviter boursouflure. Qu'on a là, moi je vais mettre les dans le four, mettez fou à préchauffer à 350 degrés. Qu'on a là, je mettez le bouillon 10 minutes. Dans la moelle pré-cuit pâte là. Une fois pâte là pré-cuit, qu'on a mal sorti, qu'on a mal mettre garniture pizza pour nous. Même venir avec pâte là qui est déjà pré-cuit, moi pré-cuit pendant 10 minutes. La garder là, il est bien lagi. Moi venir avec une sauce pizza là, moi montre nous comment pour nous faire déjà n'a fait taper JFL sauce pizza et puis n'a pour recette là monter. Qu'on a là, moi venir avec pépé oignon m'a mettre. Son pizza tout garni que m'a fait là, moi mettez sauce là, moi mettez pépé oignon. Une fois que mettez sauce avec pâte là, qu'on a là, moi mettez fromage. Fini mettez fromage là, qu'on a là, moi mettez champignons. Moi mettez poivron. Moi mettez olive là-dedans. Moi mettez olive verte, moi je dois mettre olive noire. Moi mettez un petit oignon vert là-dedans. Ça nous tarie des cives dans le pays noir. Ça lui-même, c'est un petit piment bouc. Moi émincé 100 graines là. Moi mettez là-dedans. Petit piment bouc, ça, c'est lui-même qui est censé prendre un petit saveur créole. Ça, c'est une pizza tout garni. Quand on y a là, on va le mettre dans le bafou, toujours à 350 pour
25 minutes, la parfait et excellent. Je vais mettre dans la foi. Maintenant, après 25 minutes, c'est parfait. Qu'on a nous arrêter simplement pour nous couper les, pour nous en bas. C'est bien garni, c'est bien parfait jusqu'à là. Qu'on a là, on va lever une tranche. Waouh! C'est vraiment bon là. Regarde-moi ça. Une belle tranche de pizza. C'est parfait. C'est excellent. Ça tient la route. Ça tient, c'est ferme. Regarde en bas. C'est bien fait. C'est bien beau. Regarde la cuisson. C'est parfait. C'est excellent. Bravo Fedor. Succès sur toute la ligne. Yon pizza de patate. Qu'on a là, m'rete faut moi goûter li. Pour moi qui ça le dit. C'est vraiment bon là. Vraiment très très bon. Pas oublier partager vidéo pour moi, d'accord? C'est chaîne ou lié, c'est chaîne moi. C'est moi même avant qui pour faire l'augmenter. Plus vous partagez, plus n'a gain vu, plus mon n'a pas abonné, plus nous même n'a monté en grand nombre. C'est vous même qui pour encourager comme nous commencer à habituer. C'est nous même qui pour encourager qu'on a nous rendu à 47 000 abonnés. Moi dis nous merci pour ça aussi. C'était GFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Merci. Au revoir.